salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec notre chère Luna. Luna, elle est encore là d'ailleurs dans ma vidéo d'aujourd'hui, t'as vu? Tu y es? Est-ce que tu l'as regardée la vidéo d'aujourd'hui? Vite fait, mais j'ai regardé que lundi. Ah ouais, donc toi t'arrives à la fin de la semaine. Je me suis arrêtée quand t'as dit que c'était un titi vlog de 3 jours. Ah j'ai dit ça, je m'en veux plus, mais en tout cas elle est dans mon titi vlog de la semaine dernière pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve du coup dans un haul Shein spécial Black Friday, Noël. Il y a énormément d'offres en ce moment sur Shein, donc n'hésitez pas à aller voir, à les yeuter, faire votre liste de favoris et de mettre les codes promo que vous trouvez. Moi j'en ai un de moins 15%, mais peut-être que potentiellement sur le Black Friday, il y a souvent encore mieux que 15%, donc utilisez les codes que vous trouvez. Sarah, la maman de Luna qui est par là, elle me dit qu'il y a moins 25% en ce moment, donc n'hésitez pas à les yoter, c'est le moment. Hein, et on rajoute Poulpeo. Heureusement qu'elle est là, hein, c'est notre coach aujourd'hui, Sarah. Et oui, vous pouvez cumuler Shein plus Poulpeo plus les codes promo, enfin voilà, que du bonheur. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc Luna, j'ai permis de choisir, je ne sais pas combien, 10 9 articles. Bon. Elle a fait une sélection d'articles, on verra combien. Et moi aussi, donc moi j'ai fait un petit peu de vêtements, mais j'avoue que j'étais pas motivée pour les vêtements. J'ai pris beaucoup de choses pour l'automne, même si maintenant c'est plus trop la saison des décorations d'automne, hein, mais bon. Et ça sera pour l'année prochaine. Et j'ai pris des choses pour Noël. Donc vous aurez plus de mon côté des choses un peu saisonnières. Et elle, des petits vêtements de quelle taille du coup? 10-11 ans 17-12 ans à peu près. 10-11-12. 11-12. Ouais, donc 11, voilà, 12. Comme ça vous avez une sélection pour différents. Pour vos enfants ou pas. Pour vous. Moi il y a quelques fringues aussi. Hein, donc il y a de quoi faire dans cette vidéo. Vous allez rester avec nous. Allez, vas-y, commence. Le meilleur, parce que moi quand je les ai vus, j'ai dit ça va, elle a bon goût. Elle s'est pris une paire de baskets hautes. Vas-y, hop, elles sont canons comme ça. Hein. Oui. Alors j'espère qu'elles vont t'aller et qu'elles vont pas être trop grandes ou trop petites. C'est du 35, non? 36 36. Mais elles sont au niveau quali, elles ont l'air pas mal. Hein. Non, ça va, je trouve qu'elles font pas, elles font pas fake elles au niveau pas du toucher. Ouais. Il n'y a pas une tache, au niveau col et tout. Non, elles sont bien. Elles sont bien, donc il n'y a plus qu'à essayer maintenant pour voir si ça rend bien sur tes petits pieds. Tu essaieras après, et de toute façon vous aurez vu en même temps la vidéo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les retrouve. Mais il ne faut pas hésiter à fouiner hein, sur Shein, de toute façon, et à mettre dans les favoris. C'est comme ça qu'on commande, nous. On fouine, on met dans les favoris. J'aime beaucoup les chaussures. Bon, tant mieux si elles te plaisent. Elles ont l'air canon, en tout cas. Moi, j'ai pris un petit pull. Je pense que j'ai fait un peu la razzia de pull parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les pulls Shein. J'en porte quasi tout le temps. Et les jeans aussi Shein sont pas mal du tout. Donc là, d'ailleurs, celui-là, c'est un Shein, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai pris un petit pull, un petit long pull, on va dire. Style un peu laine, comme ça, assez basique, hein, dans mes souvenirs. Et la matière est plutôt douce. Et j'avais envie d'un bordeaux. Donc, écoutez, il a l'air bien long. Il a l'air pas mal, il est simple, hein. Et si il ne me plaît pas, et ben il sera pour ma maman, parce que ma mère elle veut absolument des pulls, donc c'est pour ça que j'en ai pris un peu pour moi, un peu pour elle. Mais celui-ci il a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Ça me va bien au teint cette couleur? Ouais, avec un... tu dois avoir sûrement... Ah mais j'ai pas le même que toi, c'est vrai qu'avec ton serre-tête ça passe. Ouais, mais non, j'ai pas le même que toi. Avec une palette, tu sais, bordeaux. Oui, ouais, ça, avec un maquillage un peu bordeaux. Mais en tout cas, il est pas mal du tout. Ah, si, je crois que c'est un sweat. Ah oui, vous avez pas vu, mais notre Luna, elle est un petit peu handicapée, donc je vais l'aider. Ah, il est pas mal, dis donc. Avec derrière écrit Love Never Falls. Love Never. Love Never. Hein, vous avez compris, Love Never. Un peu à l'ancienne l'écriture, non? Rétro, je trouve. Ouais. Mais la couleur, elle est sympa, ça tira bien, je pense. Hein. Ouais, donc, c'est un sweat à capuche assez basique hein, de ce côté-là. Mais... Ouais, là, ouais. C'est basique, mais il est bien. Ouais, il est classe. Voilà, wow, tu vas être toute jolie dedans. Un autre pull. Alors, en fait, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je crois que je prends à chaque fois du 2 ou 3 XL. Ça dépend, mais souvent du 2 XL histoire d'être bien. Un vert, parce que comme ça, on est en mode serpentard. Ah, tu me connais trop. Ben. Faut que t'arrêtes de traîner avec moi. Hein. Et c'est le fameux gilet. Ouais. Qu'on avait recommandé la dernière fois avec Sarah, on voulait ce gilet et je l'ai relancé. Du coup, je me suis dit, je vais le retenter et il est trop magnifique. Ça fait trop McGonagall. Ah ouais, c'est vrai qu'il est super long. Il a les bras un petit peu replissés comme ça là.
Il est trop beau, je me dis, avec un petit pull noir en dessous, un peu chaud, vous mettez ça par-dessus. Et la matière, elle est très douce, très sympa. Et la couleur, elle est vachement tendance. Ouais, trop beau, trop contente. Voilà, alors ça, c'est un manteau. Elle s'est refait sa garde-robe pour l'hiver, je pense. Manteau, basket, robe, pantalon, la totale look, madame. Hein. Bah oui. Donc là, il a l'air pas mal ton manteau, là. Il a l'air bien doux, en tout cas. Ah ouais, c'est un petit, en revanche, hein. C'est en mode... pas très long, quoi. Bah, j'aime pas trop les longs. Hein. C'est plutôt hyper tendance. Ouais, moi, j'aime bien comme ça. Mais si elle dit que c'est tendance, on va croire la jeune. Mais il a l'air bien chaud, en revanche, bien mout-mout. Non, parce que des fois, quand j'ai fait des vidéos avec la fille de Laetitia et Marion, elle prenait des trucs en mode manche courte pour l'hiver. Donc là, au moins, on va dire que t'es censée avoir un peu chaud, quand même. Ah ouais, t'as un peu checké, t'as regardé. Ouais, heureusement que la maman était là. Il a l'air bien. Il a l'air un peu aussi imperméable, vite fait. Ouais, c'est vrai. Imperméabilisé. Oh. Bah on dirait, mais je pense pas. C'est vrai que la matière, elle fait un peu, il y a cet effet un peu plastique, ouais, mais c'est pas imperméable, je pense pas. Je pense que tu vas être mouillé quand même si tu mets ça sous la pluie. Mais il est cool, il va être il est beau, hein. Et la qualité est bien, hein. Je sais pas combien il a coûté, mais avec des petites poches là, vraiment sympa. Alors ça, j'avais pris pour la période de Halloween, l'automne, parce que j'ai vu que tout le monde avait fait des super décos, avec des super t-shirts, et moi toujours, j'arrive à la dernière minute, il n'y avait plus rien. Et ma commande a mis un petit peu de temps chez, mais du coup je les reçois maintenant. Bon, c'est plus trop d'actualité, hein, moi je suis pas dans le mood, mais c'est pas grave, ça me servira pour l'année prochaine, si ça me va. Alors j'avoue que là, en le voyant vrai, je trouve ça ridicule, je trouve ça un peu, voilà. Mais écoutez, citrouille léopard. Citrouille léopard sur un fond vert. Serpentard aussi. Un legging qui pourrait aller bien avec. Un legging. Ah ouais, non. Bon, si vous ne voyez pas de quoi elle parle, je vous mets la photo là. Mais ouais, bah alors là, total look, hein, total look. Non mais, alors la qualité est pas top. Je vous avoue que là, c'est vraiment bas de gamme, pas très épais. Un peu très synthétique, pas très très chaud, je pense. Mais pour l'automne, je pense que ça ira. Est-ce que ça me va au niveau de la taille? Ça m'a l'air un peu ric-crac quand même. Hein, hein, ouais. Ça a l'air ric-crac. Hein. Donc, et c'était quelle taille? Ah oui, c'est un XL, bah ouais. Tout s'explique. Je pense que ça devait être le max. Mais voilà, à chaque fois, Chine, quand je commande des trucs, je me dis, mais pourquoi Karine t'as pris ça? Je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Et après, quand je les m'envoie, je dis, mais pourquoi? Mais il y en a d'autres qui ont l'air bien après dans ma sélection, hein, vous inquiétez pas. Ah si, je crois que c'est une... Non, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a pris? C'est toi ou c'est pas toi? Ah oui, c'est la... c'est la robe suite pull un peu. Ah ouais, elle est quand même super longue, hein. Ouais, elle est très... Wouhou, fluide un peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est... Ouais, mais ça c'est pas mal qu'elle soit normal, fluide. Ouais. Comme si une sorte de robe... Suite un peu large, là. Suite robe pull, ouais. Suite... C'est un peu beaucoup de mots, ça. Suite robe. Suite robe. Et la couleur, elle est belle, en tout cas. T'as bon goût, toi, t'es comme ta mère. T'as bon goût. Non, c'est pareil que le pull de tout à l'heure, hein. C'est pas, pas hyper chaud. C'est plus fluide, mais c'est pas hyper chaud, ouais. Faut que tu mettes un petit sous-pull, un maillot de corps, comme vous dites dans le Nord. Et elle a l'air super longue, hein. Je sais pas où est-ce que t'arriveras, mais... Ah bah, au genou. Ah ouais, bah, pas mal. Hein, ça va. C'était quoi, c'est vrai. Oh là là, cette vidéo, ça va être encore de la rigolade, hein. Encore un pull, mais je vous ai dit, j'ai pris que des pulls. Ah, un noir, je pense que celui-ci c'est pour ma mère, sauf si il fait trop, je le garderai. Non, il était pas mal. Alors attendez que je trouve le devant, le derrière, le de. Hop, non, c'est pas là. Non, ça c'est le si, derrière. Non, mais c'est un pull chauve-souris. Ouais, c'est ça, c'est un pull chauve-souris avec des petits. Je sais pas, on voit pas. On voit pas dans la caméra, il y a des petits trous. Des petits trous un peu de laine là comme ça et ouais c'est hyper large, je sais pas si... bah pas très long quoi, hein, forcément mi-long, ouais, mi-long. Mais il a pas l'air hyper long au niveau du bas, après avoir à tester, mais la qualité est bien, j'aime bien. Ah c'est un des jogging. Ah c'est un jogging que t'as pris, je crois que c'était ça la robe pull que tu me disais. Ah non non, ça c'est les, ouais, les... Ah c'est un lot de leggings, c'est donc, quoi, il y a trois jogging. Ah, un lot de trois jogging. Elle s'est fait refait, ça va être le mot du jour, elle s'est refait. Il y a un peu transparent. Ouais, le blanc, ouais. Le gris, un petit peu aussi, mais je pense que ça passe. Ils ont l'air super longs. Il y a une petite écriture, California. Ah, classe. USA. USA. Oh, on s'en fout. Avec un culte. Serré derrière, là.
Voilà. Et là, donc il y a trois couleurs, blanc, noir et gris. Le blanc, il y a la version blanche. Le noir, il est beau aussi. Ouais, le, bah, ils ont l'air tout sympas, la matière. Ouais. C'est léger, mais c'est agréable comme matière. Encore, hein. Un pull. Bah, dis donc, c'est pas marrant, c'est non. Oui, je vous ai dit, j'ai fait que des pulls. Et pour moi et pour ma mother. Et il est canon, celui-là aussi. J'aime pas. Ouais, j'ai... D'accord, il est canon. Elle aime pas trop. Pourtant, ça ressemble pas à la couleur de ça ton... Un... Je suis désolée, ça fait un peu mémé, non. Bah oui, mais c'est dans le style un peu... vieux pull, mais moi je crois qu'il était beau. Il est super doux. Bah, un peu comme ta mère. Non, bon, c'est beaucoup plus stylé aussi. Ah, le noir, il est comme toi un peu, non? Non, peut-être pas. Non, il est plus épais. Ah. Bah écoute, j'aime bien, moi la couleur. Après, à voir sur moi, parce que ça se trouve sur moi, je vais dire oh. Mais là en plus, il est bien long, regarde. Super long. Les manches, long. Ils ont l'air pas mal du tout. Bien, bien, bien. J'aime bien. Alors, ça, ça doit être. Un pantalon. Non ? Une robe, je crois que j'avais... C'est à l'ouest. Non, ça doit... Ah non, c'est un sweat. Avec un dos sympa, torque. Ah oui, non. Oui, d'accord, effectivement. Avec un dos sympa. Donc ouais, le même style que tout à l'heure. Un dos croisé, en fait. Ah oui, donc sweat basique devant. Et derrière, c'est croisé. Tu vas pas avoir froid ? Le vent qui va rentrer là. Mais je vais mettre un... Ouais, un t-shirt un maillot de corps. Non, je rigole, je vais mettre un t-shirt. Non, franchement, je vais mettre un t-shirt. Ouais, moment. Toi, tu voulais. T'étais en mode sweat là. Mais en même temps, avec tes jogging et tout, là, tu peux faire le total look du coup. En mode sport, en mode. Ah ouais, il y a les poches, j'ai pas vu. Bah écoute, pas mal. C'est très, 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 très léger. Hein. Très, très, très léger. Hein. C'est plutôt mi-saison ça. Oh, ça va. Ah non. On va de froid avec ça. Moi, je dirais que c'est plus pour le printemps ou l'automne. Hein. Mais bon, l'hiver. Tu mets un t-shirt manche longue. Ouais, oui, oui. Bah il faut pas qu'il fasse moins de 10 quoi. Le dernier vêtement est un t-shirt. 3XL et un t-shirt pour l'automne prochain hein, parce que bah voilà c'est pareil, c'est pas de saison. C'est avec du café, des cappuccinos. C'est un t-shirt, ouais c'est ça. Très fleuri, hein, très coloré, j'avoue que pareil. En pyjama. Ouais, bah après je pense que je m'en servirai pour pyjama parce que dans mon quotidien, je sais pas si je mettrais ça. Mais j'en avais repéré des beaux avec des cappuccinos et tout en pull noir, des beaux cappuccinos un peu orangés dans les taux automnales, mais ils étaient toujours en rupture ou jamais ma taille. Donc voilà, je me suis rabattue sur ça. En pyjama, ça sera sympa quand même, ils sont beaux les cappuccinos dessus. Les thés glacés, les cafés glacés, les donuts, moi j'aime bien. Mais la matière, c'est pas la matière que je préfère, c'est un peu... je sais pas comment dire. Kawaii. Cargo, c'est un peu abusé, non? Non, c'est polyester là, ouais, c'est vraiment. C'est. On sait pas trop si ça va tenir chaud, tenir froid, vous voyez, cette matière un peu. Pas coton en tout cas, vraiment loin du coton, je sais pas. J'arrive pas à... C'est un coupe-vent un peu, je dirais. Ah ouais, c'est vrai. J'ai trouvé le mot. Bah, au moins, ça montre à quel point c'est bizarre comme matière. Mais bon, hein. Voilà, mes choix de vêtements sont toujours nuls. Je crois que la prochaine vidéo, je vais demander à Sarah là-bas là, de choisir mes vêtements, comme ça, peut-être j'aurai des trucs un peu sympas. Alors ça, c'est une robe grise. Ah ouais, je pensais que c'était un pantalon aussi. Moi, j'étais à l'ouest. Une robe longue grise. Avec un col roulé un peu, là. Elle est super douce. Ouais, elle est grave douce. Un petit mini col roulé, bras super long. Ouais, elle est très belle. Très jolie, tu vas être trop belle là-dedans. Ouais, très bon choix. Elle est douce et tout. Très bon choix, madame. Un sweat robe. Ah, tu t'es... Elle s'est vraiment fait plaisir en sweat et robe. C'était la tendance, c'est ça, en ce moment au collège? Non. Il y a beaucoup de suite en ce moment. Oui, il y a beaucoup de suite. Moi, je m'attendais à ce qu'elle prenne un cargo. Vu qu'elle t'a cassé les pieds pour avoir un. Normalement. Ah, j'ai pas vu. Je crois. Ah, peut-être qu'il y en a un alors. C'est sûr, c'est une robe. Ça va être courant. Ouais, alors là, elle a fait ça comme ça. Elle a fait ça comme ça. J'avoue que. Bah, si c'est une robe, c'est bizarre parce que c'est-à-dire que tes poches, ils sont au niveau de tes cuisses, tu sais. C'est bizarre, non? Bah, écoute, tu essayeras quand même, de toute façon. Oui. Moi, j'avoue que j'aime pas la couleur. De toute façon, j'aime pas le rouge dans les vêtements. Normalement, c'est une robe. Ah oui, comme c'est une robe un petit peu plus courte. Ah oui, donc les poches, elles arrivent en bas au niveau des cuisses, c'est bien ça. Bon bah ça correspond à ce qu'elle avait vu. À la photo. Et pareil, la matière, c'est pas hyper épais. Il faut mettre un petit pull en dessous, un petit comment tu dis, maillot de corps, un peu manche longue et tout. Alors, ça. Ça, c'est un pantalon. Cargo, pas cargo là. Pas cargo, c'est un jean un peu large, un mom. Ah, style coupe mom. Bah, ça, les jeans mom souvent sont ces couleurs là, non? Il est petit, non? Non, ça me paraît bien la taille. T'arrives à montrer là? Parce que... Est-ce que tu cadres? Bon, pas. Moi ça me choque pas la couleur. Souvent les jean mom, on les voit dans ces teintes là, hein, je trouve. Bah voilà, les jean mom c'est tout droit quoi, un peu
un peu large, même au niveau de toute la cuisse et jusqu'en bas. Bah, en tout cas, là, comme ça, il est pas mal au niveau qualité. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? T'es contente? Bon, écoute, a plus qu'à voir sur toi. Le fameux pantalon cargo, oui, effectivement, kaki, bon choix de couleur. Il est beau, hein. Honnêtement, je trouve ça moche, moi. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Dites-moi. Ah bah moi, j'aime pas du tout ton gilet. Ouais, bah oui. Ton pull, là. Ça, c'est le problème de génération. Non, mais les cargos, bah, alors sur eux, quand je la vois avec un cargo, je trouve que ça va, hein, sur les ados. Mais là, quand je les vois comme ça, je me dis... Voilà. Est-ce que vos enfants mettent ce style de pantalon? D'ailleurs, dites-nous si la sélection de Luna plairait à vos enfants, à vous. Hein, dites-nous tout ça. Mais elle a plutôt une bonne sélection quand même. La veste, tout est pas mal. La qualité, là, d'ailleurs, du cargo est bien. Hein, ouais. Tout à fait correct. Non, bien, 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 madame. Cool. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est décoration. J'ai eu des petits articles de décoration, que ce soit encore une fois Halloween, automne, en retard. Et j'ai préparé aussi des petites choses pour Noël. J'ai pris aussi des trucs pour mes enfants. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça là. C'est un budget planner. Ouais, j'ai pris un budget planner. Et oui, ils en font sur Shein. Et du coup, j'avais envie de tester. Donc là, j'ai pris un petit rosé comme ça là. Tout mimi. Je crois qu'il ne valait pas grand chose. Et il y a même des petites pochettes à l'intérieur. Donc il y en a 6. Donc ils sont sympas, ils vous ont mis les pochettes et ils vous ont même mis, si vous n'avez pas la criquette comme moi, voilà, des autocollants pour coller sur vos pochettes. C'est en anglais, mais bon, c'est pas mal si vous voulez food, grocery, gift, etc. Mais c'est en version anglaise. Donc je vous renvoie vers mes vidéos budget planner, mais ça c'est cool. Donc je suis contente d'avoir reçu ça et j'en ai acheté d'autres. Un version... Ouais, combien? Bah j'en ai pris 3. Non, j'en ai pris 2. Ouais, mais j'aime bien ça. Hey, ça, je suis étonnée, je savais pas que ça allait être comme ça. Ah, trop cool. J'en ai pris un transparent en fait, assez basique. Et les pochettes sont avec des paillettes, regardez. Wouhou. Mais ouais, trop classe. Hey, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était ça qui avait des paillettes, mais non. D'ailleurs, je pensais pas qu'il y avait des pochettes avec. Donc, vous voyez, pour le prix, c'est pas mal du tout. Et après, j'ai pris un lot de pochettes seulement. Parce que j'ai un grand. Budget planner comme ça, mais j'ai pas beaucoup de pochettes sur Amazon, ça coûte un peu beaucoup cher et je vous vraiment je vous mettrai les liens Amazon, mais je vous mettrai aussi les liens Shein parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et un peu moins cher sur Shein, c'est juste que ça met un peu plus de temps. Et je l'ai pris encore un autre, ouais, je me suis fait plaisir, un version pailleté. Quoi? Et arrêtez de vous moquer. Mais ça sert à quoi d'en avoir plein? Eh, te moque pas. Elle se moque de moi parce que j'en ai acheté plein. Bah j'aime bien. Mais ça sert à rien. Mais parce que comme ça si tu veux changer. Tu vas en avoir 10 pour les vacances, un pour le quotidien. Oui bah ça sert pas à grand chose d'en avoir plein. Mais après je voulais en faire plusieurs parce que je voulais aussi en faire des personnalisés, en offrir, en vendre, tu vois. Bref, oui, elle se moque de moi parce que j'en ai pris plein. Et bah tant pis, j'adore en avoir plein. T'as remarqué, tu vois, qu'il y a des tiroirs remplis de palettes. Hein, j'aime bien avoir beaucoup parce que un ça suffit pas pour moi. Du coup j'ai envie d'en faire plusieurs. Après comme j'ai dit peut-être pour en vendre ou pour en offrir, je ne sais pas, mais en tout cas je voulais me lancer en faire plusieurs. Donc j'ai pris plein de choses. Et sachez en tout cas si ça vous intéresse que c'est possible d'en trouver sur Shein, tu vois, parce que les gens n'y pensent pas. Donc j'avais pris des trucs pour Halloween, mais comme je vous ai dit c'est arrivé un peu trop tard. Mais alors là déceptionne. Voici la taille, voilà, voilà la taille du truc. Non mais, il y a écrit welcome, tu t'attends à un truc un peu plus gros quand même, parce que welcome, t'es censé le voir un peu plus loin. Mais non, là si tu veux lire ton welcome, il faut que tu te mettes comme ça devant. Non mais, honnêtement je pensais pas que ça allait être si petit. Regardez, même l'appareil photo il veut pas focus, il se dit non ça existe pas le truc. Non mais, là j'avoue je m'attendais pas, ils sont mignons hein. C'était pas mal ça. Je sais pas mais ça devait être au moins 3 euros. 3 euros là c'est un peu de l'arnaque, on va dire la vérité, non c'est de l'arnaque. Et ça aussi pareil, alors il y en a plein sur YouTube, des copinos, des filles que je suis depuis longtemps, qui nous disent qu'elles achètent leur déco Shein, leur déco de maison, tout ça sur Shein. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Dites-moi, parce que moi quand j'achète des trucs Shein en déco, j'ai toujours des trucs miniatures. Ça, je vous jure que si je vous retrouve la photo... Déjà, c'est même pas attaché, c'est à nous de faire le montage. Hein. Mais quand je vous trouve les photos, on a l'impression que c'est un truc plutôt grand. Et voilà ce que j'ai eu. Pareil, hein, taille, combien ça fait ça, 7 cm? Ça va, c'est ouais, mais moi, c'est pas pire que la citrine. Ouais, mais je m'attendais, c'est censé mettre dans ta déco de cuisine pour, à côté de ton coin café. Bah logiquement c'est un peu plus grand. Toi t'imagines bien la déco de cuisine avec un truc un peu café à l'ancienne. Bah ça c'est plus grand, non? Alors c'est très mignon, hein, mais je m'attendais à plus grand. Hein, pour les kitchenettes.
Ouais, ça fait plus pour, voilà, pour les kitchenettes, comme elle dit. Ouais. Non, je suis un peu déçue, là, j'avoue. Elles sont très bien, mais trop petites. En plus, c'est à moi de faire le montage avec mes fils. Débrouille-toi avec ça, Karine. Après, j'ai pris pareil, en mode Halloween. Bon, ça, la taille, ça va. Je m'attendais à plus grand, un petit peu, mais bon. On va dire que ça passe pour une petite déco de buffet, ça peut passer. Et ça, alors ça, je ne me rappelle absolument pas avoir pris un truc où il y avait des fleurs dedans. J'avais pris des citrouilles, des trucs comme ça. Ça, oui, j'en ai pris, mais les fleurs, ça me dit rien. C'est vraiment faux, ça. Bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu fake. Hein. Ça fait un peu cimetière, quand même. Mais bon, celle-là, je les préfère. Vous voyez, la taille, elles sont pas très, très grandes. Hein. Mais bon. Et j'en ai pris une un peu blanche, mais je sais pas où elle est, vous la verrez après. Et j'ai pris, alors ça, j'ai vu ça passer encore une fois aussi sur des chaînes YouTube que je suis. Ça s'appelle des attrapes soleil ou lumière, je sais pas trop, je me rappelle plus du nom exactement. Vous accrochez ça en déco dans votre maison, et puis bah ça fait, ça reflète un peu les rayons du soleil. C'est joli. Ça marche vraiment? Bah écoute, je sais pas. J'ai pas testé, je viens de là-bas. Ouais, mais dans les vidéos, ils n'ont pas dit. Mais en tout cas, ils ont accroché ça sur leur mur. Mais encore une fois, c'est très 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 joli. Mais je voyais ça plus grand. Un tout petit peu plus grand. Est-ce que ça veut focus? J'ai un collier. Après, c'est super joli. Hein. Il est très beau. Mais ouais, c'est un peu petit à mon goût. Je verrai où je vais le mettre. Mais après, il est très beau. Alors là, j'en ai une blanche. C'est bien emballé quand même. Hein. Un peu trop d'ailleurs à mon goût parfois. C'est à nous de la monter aussi, pareil, c'est le même style de taille. Ouais, je sais pas ça, à quoi ça sert. En fait, ça va être notre citrouille qui va pousser au-dessus. Celle-là, elle est pas trop mal, mais il est un peu gros, je trouve, la tige. La tige, la petite queue, elle est un peu grosse, mais bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça ira dans ma décoration d'automne de l'année prochaine. On va pouvoir passer à mes petits articles de Noël, puisque comme je l'ai dit, en automne, bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment et je me suis pris trop au dernier moment. L'année prochaine, j'essaierai de prendre en avant ce. Et là, j'ai pris pour mon fils, et ça, j'ai pas montré, mais je pense qu'il va être trop content, un tapis de jeu avec des routes pour la voiture, pour jouer aux voitures dessus. Mais il est trop bien, ça, il est trop bien, je suis assez conquise là. En vrai, j'avoue, il est beau. Hein. Il est beau, hein. En plus, il est en mode Noël, j'avais même pas vu. Regardez, les maisons, il y a de la neige dessus. Là, il y a des petits rennes. Donc, trop beau, non? Oh, j'adore. Il va être trop content, là, dans sa chambre. Et je voulais le mettre dans la chambre de Kezia, mais je le voyais pas si grand, en fait. Il est, je vous remettrai la taille, hein, mais il est super grand. Ça, il va être trop, trop content. Et la qualité est bien. Vraiment, elle est bien. Donc là, les tapis comme ça, vous pouvez foncer sur Shein parce que ça vaut pas très très cher et... C'est bien. Alors, ouais, c'est pas mal. Bon, après, ça arrive tout plié, hein, mais bon, ça va. Ça va. Quand ça va être allongé, ça va être bien. J'ai pris ça. Alors ça, je pense que c'est pour ma classe. Je sais plus pourquoi exactement je l'avais acheté. Soit pour ma classe, soit pour ma cuisine. Mais en mode décoration de Noël, juste pour la période. Je sais, c'est pas extrêmement... C'est la petite touche, quoi. Donc, ouais. Sarah, elle pensait que c'était un set de table ou un sous-main. Mais non, non, c'est bien un tapis d'intérieur. C'est pas un tapis de ouf, hein. Mais non, mais c'est un tapis... Tu vas pas essuyer tous tes pieds, hein. Mais non, mais logiquement, quand tu rentres dans ma maison, tu t'essuies les pieds avant sur le tapis dehors. Dehors. Et après, quand tu rentres dans ma maison, tu poses tes chaussures sur le tapis d'intérieur. Et d'un coup, il est pas mal, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Sinon, je le mettrais dans la chambre de ma fille. Quand elle se réveille le matin, elle aura les pieds sur son petit renne de Noël. Tu vois, ça peut être possible. J'ai pris un petit sac de Noël. Ah ouais, il est vraiment petit, hein. Il est trop beau, mais il est tout petit petit. Je m'attendais à plus grand, encore une fois. Mais il est trop beau. Tu sais, pour mettre les petits cadeaux de Noël, mettre au pied du sapin. Beau. En vrai, il est beau. Il est beau. Il est bonne qualité en plus. Mais je le voyais un tout petit peu plus grand, j'avoue. Faudra faire attention aux dimensions, mais il est très très beau. J'ai pris un petit plat de Noël. Ouais, il est tout doux, mais il fait un peu pas rouge rouge. Pas un rouge rouge vif, je trouve. Non, moi j'aime bien. T'aimes bien ce rouge un peu bordeaux, je sais pas trop comment dire. En tout cas, pull. Avec l'autre pull, ouais. Il est beau quand même. Hein. C'est pas épais de fou, mais c'est moutmout un peu à l'intérieur. Il a l'air super grand en manche. Ouais, il a l'air trop grand. Ça, c'est trop bien pour s'enrouler dedans et tout. Ça, c'est trop bien. T'arrêtes de te moquer de moi. Non, mais je la vois, elle te regarde tout le temps pour se moquer. Je pensais que t'allais dire pour toute la famille, on va bien. Non, il y a que moi qui sers de mes plaides. Mais non, mais ils vont me le piquer de toute façon. Hein. Mais à la base, je l'ai pris pour le mettre sur mon canapé. Quand il y aura la décoration de Noël, je voulais mettre un petit plaid de Noël comme ça sur le canapé. Je voulais aussi, vraiment. Et il a l'air super grand. Je pense que j'ai dû prendre les plus grandes dimensions. Et il était super bien empaqueté là dans un truc
Donc très très bien, ça j'aime bien. Ensuite j'ai choisi ça pour mon mari, pour mettre toutes ces capsules, ou même pour tout ce qui est Dolce Gusto, tout ça quand on a du wrap de capsules. J'ai vu ça sur le site Shein et j'ai trouvé ça pas mal pour la cuisine, c'est noir, c'est sobre. Mais mon mari m'a dit, oh, quand il l'a vu, il a dit, non, ça va rayer mon plan de travail. Donc bah, je sais pas si je vais l'utiliser pour les capsules ou je vais trouver une autre idée sinon, hein. Mais ça servira dans ma classe aussi pour mettre du bazar. Toujours du bazar à mettre là-dedans. Et honnêtement, je le voyais cette fois-ci plus petit sur Shein, et en fait, il est grand. Je le voyais un tout petit peu plus petit, pas pourquoi. Donc, c'est vraiment la taille, si vous voulez savoir, d'une boîte de Dolce Gusto, là, quand vous achetez les cappuccinos, tout ça, c'est exactement la taille d'une boîte. On dirait que tu peux mettre ta boîte comme ça. Tiens. J'ai eu deux fois aussi la citrouille blanche, ben, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai eu, c'est ça, c'est censé être une guirlande en plume. Ça m'a l'air un peu fin quand même pour une guirlande en plume, non? On est d'accord? En fait, ça a lâché quand je vais le prendre. On va voir. Ah, si, c'est ah, bien. Non, ça va. C'est une guirlande, mais elle aura alors. Elle en est partout. Elle est vraiment toute petite. Je la voyais plus épaisse, tu vois. Je la voyais un peu plus consistante. T'en bon, après, elle est pas mal. Mais elle est. En... Ouais. Ça va mettre des plumes partout. Hein. Ouais, mais c'est pour mettre dans le sapin. C'est pour mettre dans le sapin. Mais ouais. Non, ça va partout. Avant de passer à l'article que j'ai reçu deux fois, j'ai pris aussi ça, qui sont des petits... Alors elle est arrivée défoncée dans la boîte, mais ce sont des petits blenders pour le visage, pour le maquillage. Pour une fois, j'ai pas pris trop de maquillage. Mais alors, comme vous constatez, la boîte est complètement... voilà, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël, c'est un peu foutu. Mais à l'intérieur, ça valait le coup parce que c'était, je crois, 2 euros. Et à l'intérieur, vous avez 4 blenders. Et les blenders Shein, qui sont pour le visage, pour mettre le fond de teint... Je précise parce qu'il y en a qui me regardent bizarre depuis tout à l'heure, genre, qu'est-ce que tu racontes ? Eh ben, ils sont bien... Ils sont bien. Honnêtement, je les aime beaucoup les blenders Shein. Donc là, j'en ai pris un lot de 4, je trouve que c'est... Ouais, ils sont pas mal du tout. Moi, je les aime bien. Tu sais ce que c'est un blender, ça va? Oui. Tu sais, pour mettre ton fond de teint, tu la mouilles. Oui, je sais. Il faut la mouiller avant, je précise. Vous mettez votre fond de teint et après vous faites. C'est que j'ai que de la poudre, mais. Oui, non, mais pas pour toi, t'es encore jeune. Et ça, je l'ai reçu deux fois. C'est un article pour mettre sous mon sapin de Noël. Donc on va voir la taille, parce que peut-être qu'ils sont tout rikiki et il va m'en falloir deux, hein, on sait jamais. Mais s'ils sont d'une taille correcte et que j'en ai pas besoin de deux, je pense que peut-être Sarah, ça l'intéressera, on ne sait jamais. Sarah, c'est bien quand elle vient, elle récupère des trucs. Et c'est un... Ouais, il est grand. Ouais, ça va, il a l'air raisonnable. C'est un tapis de... Du sapin. Ouais, tapis de sapin. Pour le pied du sapin. Ouais, voilà, pour cacher le pied du sapin, faire un petit truc un peu sympa. Il est beau, hein. C'est joli. Il est magnifique. Il est mout-mout. Bah, il est grand, il est pas grand de fou, mais il est grand. Ça dépend de la taille. Il est quand même bien, ça va, c'est pas miniature. Et vous avez des scratchs ici pour le fermer, pour l'ouvrir, l'accrocher autour de votre sapin. Ouais. Une sorte de jupe de sapin, il est beau, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, fais voir, attends, on va faire la cape. Ouais, Miss Luna. Miss Luna est de sortie, il te manque la couronne. Attends. Tout, tout, tout. Eh bah écoutez, on l'a nuque en deux fois, c'est exactement le même, donc on va voir Sarah si ça t'intéresse. Voilà, pour notre one Shein, beaucoup de décorations, un peu de budget planner, des vêtements un petit peu. Bon, dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu de nous voir avec Luna. Maintenant nous on va passer aux essayages, mais vous aurez vu ça au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Ouais, tu nous fais pas le signe comme ça là, genre ici, vous cliquez là... Si ça vous a plu, bah voilà, vous nous dites tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer sur Shein pour le Black Friday? Pour l'instant, je reste sceptique sur Shein. J'aime beaucoup certains produits, j'aime beaucoup leurs pulls. Je pense que les ados, ils sont assez conquis par les vêtements parce qu'ils ont une consommation de vêtements différente de la nôtre. Puis ils changent de taille et de style. Et voilà, c'est la mode, etc. Donc Shein, ça peut être pas mal pour les ados. Moi, que pour les pulls. Sarah, elle aime bien Shein d'ailleurs. Mmh. Toi, t'aimes bien pourquoi les pulls aussi, surtout? Les jeans aussi. Les jeans aussi. Elle a commandé. Après, il y a des petits trucs sympas. Elle a commandé une commande. Ça dit pas. Elle a commandé. Elle a commandé une commande. Elle a fait une commande hier, non, c'est pas là. Avec les moins 25%. Et bah, elle a des bons goûts. Je pense que la prochaine fois. Est-ce que ça vous dit d'ailleurs que la prochaine fois, ce soit Sarah qui me fasse ma sélection de vêtements, hein? Ça serait cool, non? Comme ça, tu verrais après le résultat sur moi. Et la prochaine fois, ça sera moi. Tu vas avoir un total look. Non, tu mets pas de truc cargo là. Oh, y'a pas moyen. Non, pourquoi pas, ça serait marrant, tiens. Parce que je vous avoue que je suis pas inspirée. Quand je dois faire une commande Shein, je suis là genre. Souvent dans mon panier Shein, moi il y a que des trucs de planeur, de la décoration,
des bidouilles. Mais au niveau vêtements, je suis pas plus emballée que ça, à part quelques pulls. Donc, bah, vous nous dites tout. Vous, ce qui vous intéresse sur Shein, dites-nous tout. On vous attend dans les commentaires. Sur ce, on vous fait des gros bisous parce que cette vidéo va être déjà un petit peu longue et je parle trop. Et on vous dit à très très vite avec Luna. Et tu dis pas salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut.